Attends, si on prend le croisement des deux routes, nous, il faut qu'on parte plus ou moins à 45 degrés. Donc si on part par là, quoi. Ok. Je sais pas ce que c'est ce Cannibal Hunter Trader là, mais ça me fait bizarre un peu. Cannibal, déjà, je suis pas sûr que je vais y aller quoi. À mon peut-être le avis, c'est mec pour qui... vendre des corps. Voilà, exactement. Je les coupe en 5 et les vendre là-bas, peut-être, assez cher. Bon bah t'es où toi? On voudrait essayer le Cannibal Hunter Ouais. Faut mettre 2 cartouches de caoutchouc dans les jambes et rien faire du tout, hein. Ouais, on a le Hop, Mosin, hop. hein, on peut t'attendre de loin. Hein. Mais moi, j'ai 36, mec, c'est fini, hein. Ouais, mais on t'approchera pas, nous, hein. On verra ça, on verra ça. De toute façon, vous êtes deux, hein. Je vous repère en 2 secondes, hein. Mais c'est pour ça qu'on va t'attaquer de deux directions différentes, tu vois. Oui, bien sûr. Hein. Vous savez même pas où vous êtes, les gars. Hein. À partir de là, On les voit. franchement. Non, Je vais vous on est voir au derrière. milieu d'un chemin en mode qu'est-ce qui se Mec, passe, quoi. on est derrière toi, tu nous vois pas, regarde. Oui, bien sûr. Coucou. Je regarde même pas, mec. Hein. 1000%, y'a rien. Ce malade, là. Allez, hey, dès que je vous trouve, je vous tire dessus à côté de vous juste pour vous faire flipper, hein. Allez, c'est Non, parti. mais c'est même Ah, pas ça, si, mais si. tu fais ce que tu veux, mais si ça attire d'autres gars qui sont plus armés que nous, je te défonce. Vous êtes deux, vous êtes plus voyants que moi. Hein. Moi, je vais être caché Avant. dans un buisson, laisse tomber. Hein. Avant. Ouais, mais si ton coup de feu attire des gars, je te défonce. Je te tue d'abord avant qu'on se batte avec les gars, quoi. On verra ça, on verra ça. Moi, je crois que j'y suis là, un novice au bord. Hein. Sérieux, tu déconnes, quoi? Ben, je crois, il y a un village. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Parce que nous, Attends, je suis pas on est sûr. loin d'y être, hein. Attends, est-ce qu'il y a une Ouais, église on a là-bas? mal. Je sais pas, regarde sur la map. Ah, je suis peut-être à Polona, à Polana plutôt. Il y a un cerf par contre quelque part, Non, on je va le pense même défoncer. pas. Ah non, non, je crois que je suis bien nouillé au bord, hein. Je crois que c'est ça. Hein. Parfois t'as des panneaux, mais fais gaffe avec les panneaux parce que Non, parfois moi en je fait vais les pas là, panneaux. je reste dehors là. Je vais pas aller dans la ville, mec, tout seul. Là. Ça sent la Ah, merde c'est une ville là-bas. quasiment ou c'est un village? Mais non, mec, c'est genre une petite ville. Il y a genre. Ah non, c'est quand même une petite ville, quoi, ouais. C'est pas un village, c'est une petite ville. Là. Ouais, fais quand même gaffe parce que t'es pas loin de l'aéroport là. Hein. Ouais, je vais pas y aller dedans, hein, mais je reste aux abords. Ouais, va dedans, ou alors tu vas dedans, mais tu lootes quoi. Mais fais gaffe quoi. Eh mec, entre moi et la ville, il y a genre 1 km de neige, y a rien d'autre à part de la neige, quoi. Genre vraiment, quoi. Là, y a un Attends deux mec qui est secondes, dedans, hein. je vais me poser, je vais te dire où aller next. Parce que de toute façon, on va peut-être pas passer par là. Deux secondes, il faut juste que je me couche dans un buisson. Ouais, Donc tu dis que t'es déjà. T'es sûr, mec, parce que c'était loin de là où t'as démarré, hein. Tu penses. mec, l'église et le comico sont au même endroit que sur la carte que j'ai, mec. Hein. C'est quasiment sûr que c'est ça. Hein. Ok, d'accord. Bon, alors Franchement. attends. Nous, on a démarré de Attends, là. j'ai un sniper, peut-être Ok. que je peux avoir quelque chose. Descends un peu au sud, tu vois, Nadesda, là où il y a un hôpital. Attends. Tu le vois ou pas? C'est ça. Bah, à la limite, on peut se retrouver là, mais nous, il faudra un bout de temps avant d'arriver, on n'est pas du tout. Nous, on est à proximité de Chakovka. Ok. À droite de le. Tu Mais je vois? vois. Enfin, je crois. Après, attends, j'ai un snipe, je vais essayer de voir s'il y a du mouvement dans la ville, mais. Ouais, ça a l'air bien ça, hein, ouais, c'est vraiment une bonne petite ville, quoi. Par contre, on lui a trouvé. Il a un pantalon rouge, mais on lui a trouvé une cagoule blanche. Tout va bien alors. Tu vois pas sa tête, tout Ouais. va bien. Voilà, ils verront pas sa tête, ils verront juste ses jambes. Voilà, ils diront tout, ils diront bien, c'est Je rien. peux pas me taper, je porte des lunettes. C'est un peu ça. Mec, il y a un drôle de bruit, le cerf il est Si, pas loin là. si, 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 si. Tu le vois le cerf? Ça fait chier, on n'a pas de jumelles. T'as pas une lunette de ton fusil? Je sais pas voir dedans. Il est pas loin ce con, je suis sûr. Ouais, t'inquiète pas, au mieux. C'est ça ou c'est un ours? Parce que putain, il fait un gros de bruit. Je crois qu'il est en période de rut, le cerf, hein, sincèrement. Faites attention alors, hein. J'allais dire, fais gaffe avec ton jogging rouge, tu vois, parce qu'on sait jamais. J'avoue, t'es C'est ça, voyant. quoi. Déjà, les zombies, laisse tomber. Et t'as vu que les zombies courent qu'après toi, hein? Moi, je crois que c'est à cause Ouais. du jogging. Hein. Non, mais en vrai, il y a vrai un Ouais. truc comme ça. Hein. Genre, quand t'as une couleur vive, il court dessus, dessus et tout. Hein. Vraiment, il y a un vrai truc comme ça. Hein. Ah, ok. Si t'es camouflé, au niveau des vêtements, ils te voient moins et tout, etc. Donc. Y a des baraques sur la droite, là. Fab, tu vois? À droite, il y a des baraques. Ah, mais je sais pas Ouais. c'est quoi. J'irais bien jeter un coup d'œil pour être sûr qu'on est sur le bon chemin. Vas-y, chaud.
Le cerf il s'est cassé à mon avis. Ou alors c'est un arpe. Non, là c'était vraiment un cerf, mec, ça bramait un truc de fou quoi. Là il cherchait de la femelle, là, je te le dis. Ça va être toi la femelle, tu vas voir. S'il me court après, mec, je sprint, hein, j'en ai rien à foutre. Ou je te tire une balle dans la, je te tire une balle dans voilà. La jambe et je me casse. Ça marche. Oh l'enfoiré. Y'a pas de mouvement hein, dans la ville là. Hein. Je vois rien du tout. Bah, hein. Sinon, vas-y, hein, essaie de looter pour y'a peut-être des trucs. Hein. Ah, je vais me faire niveau enculer, bouffe. Je vais être dégoûté après, laisse tomber. Je suis tout seul. Mais niveau bouffe, on est ok, hein, je te le dis direct. Ouais, pareil, moi je suis aussi bien niveau bouffe. Ok, y a un petit village là en bas. Je suis sûr qu'on est dans la mauvaise direction, mec. Je le sens. Trouvez un panneau, hein, tout simplement. Après, vous savez où vous êtes. Hein. Mec, je suis sûr qu'on est dans la mauvaise direction. On est passé par ici tantôt. Non ? Tu crois ? Mmh. Ouais, on est passé par ici. Elle est là, ton arme. Elle est là-dedans, si elle a pas bougé. Ouais. Attends, je vais voir. Mais il y avait des trucs de façon dedans, donc... Bah oui, c'est toujours là, regarde. Tout est là, mec. Non, il y a des trucs qui ont disparu. Et par contre, j'ai un sniper là, avec une bonne lunette dessus. Je suis à genre à 500 mètres de la ville. Si y a un mec, je le shoot direct, quoi. Hein. Faut vraiment faire gaffe avec les snipers. Hein. Ah bah, c'est ça, le truc. Parce qu'on voit okay, tellement bien, quoi. Attends, on va refermer la porte, on va bien voir où on est parce que merde. Non, c'est... Deux secondes. Ok, donc où est-ce qu'on est là? Parce que est-ce qu'on serait à Chakova? Hein? C'est possible qu'on soit à Chakova déjà. Ouais. Bah là, c'est une ville où on a déjà été, donc ouais, c'est possible. Il y avait plus que deux maisons quand même, il y a plus que ça. Hein. Je crois qu'on est à Chakova, mec. Si on est à Chakova, on est dans la bonne direction. Ok. Bon. Je crois que c'est bon. Viens, on y va. On est go ? Ouais. Ça fait un petit moment que j'ai plus trouvé de cadeau là. Je crois que c'est Chakova, ce serait bien de trouver un nom de ville ou quelque chose, mais je vois pas de panneau. Il y a des zombies un peu plus loin, je vais me les faire. Merde, il y en a plus que prévu. Il y en a que deux. Ouais, je disais avant, il avait des petits cadeaux ici, on n'en trouve pas. C'est bizarre. Des cadeaux ? Ouais. Dans les petites boîtes. Ah, et alors, je saigne, je vais devoir me mettre à la drune de baraque. Ah ouh! Tu te frappé, je crois, non? Non. Non, mais je pisse du ça, ouais. Attends, je saigne, je dois me foutre dans une baraque et me bandager. Oh putain, j'ai plus de bandage, moi, après. Oh, sa mère. Il est où mon bandage? Oh, il est là. Ah, il est là. Vous êtes où, du coup, là? Là, je crois qu'on est à Chakova. Ok, attends, regarde où c'est. J'ai mes vêtements. Ah putain, ma veste, c'est parce qu'on endommagée aussi. Chier. Et mon pantalon aussi. Ah, je trouvais de la bouffe. Mec, y'a pas de panneau, y'a rien. Chaussures de trail. Je sais pas si c'est bon ça. Ouais, je vais la prendre. Y'a un panneau là, j'essaie de le lire. Faut être sûr à 1000% que j'y suis. Je vais te déchirer randonnée, c'est sérieux, tu crois vraiment que c'est le temps? J'entends des zombies, mais je sais pas. Ah, t'es là, mec, ok. Je suis sur ta gauche, il y a un zombie qui te chasse, je crois. Oh, si, bah ouais, je sais, il y en a deux même. Oh, mec, ils sont sur moi. Bâtard. Ah, il est où ce bâtard? T'en as deux? Là, j'arrive. Ah, c'est fait, c'est bon. Ok. Très bien qu'on se pose, qu'on vérifie la disposition des bâtiments pour voir si on est bien au bon endroit là.
Parce qu'il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, mec. Ah, là, il y a un panneau. Ouais, attends. Ouais, c'est bon, on est à chaque off-cas. Ok, 2 secondes. Faut vérifier dans quelle direction on doit aller maintenant. Attends, je vais juste aller. Je dois aller faire pipi, je reviens. Sorry. Ouais. Putain, ça zoome tellement fort la lunette là, je peux vraiment voir les panneaux à genre 1 km 5, 2 km quoi. C'est quoi le nom là? Arrête de bouger. Voilà, sorry. Oh, attends, je fais un tri dans mes inventaires parce que j'ai changé de sac parce que l'autre était mort. Non, non, mais je t'en prie, de toute façon, je vais utiliser ce temps-là pour voir où on est. Voir dans quelle direction on doit aller quoi. Ok, on est arrivé par là, on est passé devant le puits. Là je crois qu'on est entre les deux bâtiments là. Ok, là on irait, si on continue du droit on irait vers la chapelle, ce qu'on veut pas. Nous on veut à la gauche. Okay. Ouais, je vois le village aussi, Guglovo là, donc je suis bien à Navisobor, je pense. Je le vois au loin là avec la lunette. Sérieux, tu le vois? Mais mec, la lunette, je peux genre zoomer x20, mec, je vois les panneaux à 2 km, mec, je te jure. Ok, bah nous, on va aller vers Guglovo maintenant. On est sur le chemin de Guglovo. Ok. Enfin, j'espère. Ok, bah je vous verrai parce que là, je vois le village, hein, avec ma lunette. T'es bon dans ton inventaire, on peut y aller ou... Ouais, on peut y aller. Donc pour moi, écoute, je vois les deux maisons là. La route, elle part un peu... sur la gauche. Ok, donc là nous on va tout droit. Quand tu regardes derrière toi, t'as l'altar safe zone. Ouais. Attends. Non, non, pas Fabien, Kevin. Oui, désolé, qu'est-ce que tu disais? Quand derrière toi, quand tu regardes, tu vois l'altar safe zone derrière toi? Il est où par rapport à toi, le altar okay. Safe zone? L'altar safe zone, il est derrière moi, ouais. Ok, bah nous on se dirige alors vers pile poil derrière toi, quoi. Fais attention, okay, hein, bah... parce que... Dites-moi quand vous arrivez au moins, hein. Parce que sinon ça va être chaud, hein. Bref, on est sur le chemin, j'espère. Je crois qu'on va vers Guglovo là maintenant. C'est là je l'ai en visu, quoi. Juste pour être sûr, quand tu regardes vers Guglovo, ouais. Tu vois Toxic Zone et Cannibal Hunter Trader. Oui, à gauche. Pour moi, à gauche. Ok, c'est parfait, c'est bon. Donc venez par la forêt, du coup, par derrière moi, quoi. Ouais, par la forêt, on arrive par la forêt. Ouais, si vous voyez un mec dans les fourrés, me tirez pas dessus, c'est moi, hein. Mais on va vers... Là, on est sur le chemin de Guglovo, là. Hein. Ok. Ça appuiera sur F3, on comprendra que c'est toi. Et moi, je tire. Attention. Serge, il arrive à quelle heure, il a dit? À minuit, mec. Oh putain, minuit. Mais il bosse, le gars. Oh non, je sais bien. Mais moi, je bosse, hein. je bosse à 8h demain. Ah bah, moi aussi, pareil. Peut-être tirer une heure, mais c'est tout quoi. Alors, comme moi, exactement pareil. Non, je veux dire de minuit à une heure, mais après c'est tout quoi. Oui, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, et moi aussi je me réveille à 6h30, 7h quoi. Donc, Et lui, il va mettre perpète pour nous rejoindre, hein, parce que c'est où qu'on l'a laissé lui? Bah, il était encore à Bérésino, je crois, non?
Mais c'était pas à l'endroit où il y avait le truc agricole où on a trouvé plein de trucs dedans? Même pas, c'était avant encore. Avant ça, tu crois? Ouais, Ah parce que moi je suis oui, bien à ce sûr. moment-là. Et j'ai pas encore joué avec Sergio. Sergi. Ouais, il est venu un tout petit peu après. Ouais, c'est parce qu'on y est retourné pour toi en fait, hein. Oui, Enfin, voilà. Mais la on était première déjà fois, il n'était parti. pas là, Sergio, encore. Parce qu'il est toujours paramé, il me semble. Il a que des armes de merde, hein. Ouais, enfin nous, je veux dire, oui, j'ai un cas avec un chargeur complet, mais c'est tout, hein. Mais Enfin, mec, ça, il y a moyen de gérer un gunfight, tu vois. Ça va, quoi. Enfin, il faut Alors quand que même pas lui, il trop doit être déconner. avec son petit gun, quoi, donc. La route qui me fait là me fait peur parce que c'est pas logique. Et moi, je suis couché près d'un arbre, hein. Donc vous le savez, Mec, hein. on n'y est pas encore, dude. Mais il y a cette route. Elle... Bon, écoute, on va continuer vers le l'altar safe zone là. En fait, je crois qu'ils ont mis ces points-là pour aider les gens aussi, hein, sincèrement. Parce qu'ils savent que c'est le bordel, sinon. Ouais, possiblement. Dis. Ouais, non, ça va, j'ai rien dit. Il a quelle distance derrière toi, l'altar safe zone? Juste pour qu'on ait une idée de combien de temps on doit marcher. Altar Safe Zone. 2 km. Putain, mais on serait qu'à 300 mètres de toi alors? Ah, possiblement, hein. Je pense pas. Si, moi je suis dans la forêt entre Navisobor et Guglovo, du coup là. Dans la Ah, forêt. peut-être. Et à Sefton, t'as combien de kilomètres? 5 km 1. Attends, à quoi? À Klaine, tu À parles. Sefton. Ouais, Clen, ouais. Ouais, Ah, 5 km 1. donc il faut encore avancer alors. Ouais, et non, et par rapport à Toxic Zone, t'as combien de distance? À 6 km 7. Ouais, on a 600 mètres de toi en fait, quoi. On est entre 600 et 300 mètres de toi. Ouais, ça va alors, tranquille. On arrive, on est dans le haut d'une colline là, dans les bois, et on redescend maintenant. Ouais, vous allez me mettre plein dessus, mec. Je suis couché vraiment au milieu de la colline, quoi. Vers le bas plutôt, hein. Vers la fin de la forêt, quoi. Donc l'altar safe zone, nous, il nous reste 2140 mètres. Ok. Ah putain, vraiment, j'aurai 100 mètres dans ce sens-là, on va dire, quoi. Après aussi l'autre sens, quoi, mais. Après, on peut être très bien. Tu peux être à Oui, 500 mètres sur voilà. la gauche, 500 Bien mètres sur la sûr, droite. voilà. Hein. C'est ce que je viens de dire exactement. En tout cas, Cuglivo là et Noisobor, il n'y a personne. Hein. Il n'y a pas un pet de bruit, il n'y a personne qui court. Ouais, c'est bon. On est à 2000 mètres d'Altar Safe Zone. T'es où là? De combien de distance de Altar Safe Zone? Cette zone 2000. Bah écoute, on a 2000 aussi donc. 2015, ouais. Ouais, on est à la même distance en termes de longueur, mais c'est la largeur qui n'est pas pareille. Hein. Ok, attends, alors il faut La qu'on. largeur, Il faut un autre moyen. le Black Market Suit, t'as combien? 6200. Oh, bah faut descendre alors. 6900, 900, 900, désolé. Ah, faut monter alors, non? Ah, il faut mon. Attends, attends, attends. Et attends, attends, attends. On va trouver un autre point pour. Clean Safe Zone, t'as quoi? 5100. Ok, dans l'autre sens alors il est, non? Ouais, il est de l'autre côté de la colline en fait, Fab. Ouais, ok. Doit être ça. En fait, on va vers Black Market South là. Maintenant, on est à 3900 mètres de Black Market South. Combien? 3900. De Black Market? South. Pas possible, mec, je suis à 7 km. Non, Black Market South. Ah, ok, sud, d'accord. À 3300, 3400 même. Presque Ouais, tu vois, il est du 3400. côté de la colline, c'est bon, on est Voilà, dans la c'est bonne bon. direction. Ça, j'ai eu peur, je Ouais. me suis dit, hein, 3 km de distance, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'es de l'autre côté de la colline, en fait. Plus là-bas, quoi. Niveau vêtements, on en est où, les gars? Parce que moi, j'ai changé de veste, maintenant, elle est intacte. Pantalon, ça va. Le sac, ça va. Je devais changer de pompe. Moi j'ai tout bon, moi, du coup. Parce que j'ai changé le sac, sinon le truc il était usé. Non, moi je viens de changer de pompe donc ça va parce que mes pompes étaient utilisées. Ouais les gars, parce que on l'a dit je pense. Parce que quand vos pompes elles sont mortes, vous saignez tout le temps, je vous le dis. Hein. Oui. La dernière fois, moi je comprenais pas d'où ça venait et tout, j'arrêtais pas de saigner. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Mec, si tu vois deux gars, un avec un jogging rouge, ne tire pas. Ok. Et si vous avez un mec couché dans les arbres, ne tirez pas non plus.
Attends, je sors la casse, la K Ah, le bâtard. Le mec il va mettre un petit réflexe en plus sans faire exprès quoi. Mais c'est pour ça que je sors pas en fait, pour être honnête, parce que je veux Oui. vraiment pas que je vais le faire. On sait jamais quoi. Genre de truc, tu sursautes, tu tires sans faire exprès, tu tues le gars quoi. Ça serait tellement la merde quoi. Et si tu voulais le faire volontairement, tu n'y arriverais pas en fait, tu vois. Mais oui. Bon, 3580 mètres du Black Market Source. 3400, je suis là. Quasiment tout pile. Ah, on est à 150 mètres normalement de toi environ. Mais là, on est dans une clairière avec un mur de briques. On arrive de nouveau, On descend là. Ouais, on arrive. Ah, ça sent bon On vient alors. de dépasser la route. On arrive dans un champ. Vous voyez les commentaires là sur le chat à gauche là? Il y a des mecs qui campent les spawns visiblement. Oh putain, les bâtards. T'as vu sa Tu nous menace vois. de wreck et tout. Attention. Tu nous vois toujours pas? Non, non. Vous êtes dans un champ là ou dans la forêt encore? On est dans une Non. clairière là, il n'y a pas un arbre. Ok. Vous avez passé la Regarde un forêt peu. du coup? Ouais, Ouais. on a dépassé la forêt. Regarde un peu. Ok, attends. Le Black Market South, ils sont. Elle est où? En face de vous, un peu à gauche, un peu à Elle est droite? exactement en face de nous à 3300 mètres. Ok, moi je suis un peu à gauche alors. Un peu à gauche. Tu nous vois pas, on est vraiment bien au milieu d'une clairière. Hein. Attends, je vais à T'as droite du coup. pas un lac, enfin un petit ruisseau ou quoi? Y a une sorte de ruisseau là en bas, non? Ouais, bah il m'a Ouais, je l'air. sais même Vu pas, ouais. comme ça. En plus, j'aime pas trop être au milieu de cette clairière comme ça, moi. Vous voyez la ville déjà là? On voit rien du tout, mec. Si, on va une maison, une ferme à droite, à notre droite. Avec des ballots sur le côté. Enfin, c'est peut-être celle-là. Y a un ruisseau là en bas, là, ouais. Ça m'a pas de ruisseau, les gars, là. Hein. Non, vraiment pas, hein. Ok, on va. Ok, attends, encore. Okay, on va se poser, mais là, on sait vraiment pas se planquer, là, on est quoi, ben, c'est la merde. On va se poser et on va essayer de. Ok, alors attends. Si j'ai face à moi, j'ai le Black Market South à 3151 mètres. Toi, t'en es 3100, où? ok. J'ai un peu avancé du coup. T'as un mot devrait 3100. être genre en face de moi dans la clairière là, mais je vois que dalle. 3151. Si je regarde sur ma droite, j'ai le Attends. Military Stadium à 9101. Attends, j'ai cru voir quelqu'un là, mais je suis pas sûr à cause des arbres. Et Clan Safe Zone est dans mon dos à 5393. 300. Putain, attends, on devrait être genre 30 mètres devant moi quoi. Je vais vraiment sortir de la forêt là. Et toi, on est dans un dénivelé en fait, c'est peut-être ça que tu nous vois pas, quoi, tu vois. Ouais, là je suis sur le plat maintenant, vraiment sur le plat. Mais je vois vraiment rien. Est-ce que tu vois qu'il y a un bâtiment de ferme là? Il y a des barrières en bois avec un bâtiment. Ça remonte vers un bâtiment de ferme. Tu le vois ou pas? On est en train de remonter vers le bâtiment de ferme. Je crois que c'est plus facile. Il y a des bâtiments là. Je vois que dalle, hein. On est vraiment plein Il y a une milieu, mec. On baraque, peut. mais pas une ferme, hein. C'est vraiment une baraque, hein. Non, c'est des baraques, sorry. Mais Pourtant. là, on peut pas être en. Hein? Pardon, mec. On Oui. est vraiment en plein milieu là, mec. Hein? On est en train de remonter la colline en plein milieu. Enfin, Tu nous j'observe, vois? j'observe. Ouais, c'est ça, on arrive dans une ville là. Bah écoute, on va aller dans la ville parce que sinon on va jamais se retrouver quoi. Trouvez le panneau, hein. Ah, vous êtes à. Ah, le Un peu panneau, il est en face de nous. Astari ou enfin à Novi ou Guglovo là. Comme ça, du coup. Ils sont assez proches. Ouais. Putain, je sens que je vais me faire défoncer quelque part, moi. Je sais pas pourquoi j'ai Hein? Comment tu te dis que c'est facile là? Bah, c'est parce que il est modé en fait. Non, mais ça, c'est pas le panneau, ça, c'est les Ah, bus, ça. Y a pas le nom dessus. Ah, là, le panneau, il est là. comme Novi. Ouais, des zombies. Avec moins que l'autre. Rirobo, je sais pas comment on dit Non, c'est ça, en. on est à Guglovo, là. On est à Guglovo. Ok, d'accord. Donc moi j'étais un peu. Donc c'est bien ça. Attends, attends. Attends, je la vois la ville avec mon snipe. Je vais essayer d'être un peu au milieu de la ville, genre je vous vois. Je vais viser pour voir. Et ça veut dire quoi, puis au milieu de la ville, parce que. Ah, vu que ça Ben, va genre voir. un peu à découvert, genre comme ça je peux regarder. Hein. Ok. Là, on est entre les bâtiments, on est dans la rue du milieu, il y a une bagnole. Si, tu peux avoir tout ça, mais c'est chaud quoi. Je fais une bagnole au milieu, effectivement. Attends, je vais bien Là, on vient de scanner passer la zone. devant.
On est près du puits de Glovo, tu vois c'est pas bon, le puits. C'est bon, je vous vois. Eh où, t'es bon. Où, eh où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où. Ah, je suis à genre 1 km environ. Ah, bah ça va, ouais, tu vois. Eh, je tire dans l'arbre à côté de vous ou pas? Vas-y, non, je fais pas les zombies. Allez, j'ai tellement envie. Ah, les zombies. Il y a les zombies, oh mais ils ont déjà repéré en plus. Ah bah ouais, en rouge, hein, bah oui. Il y en a partout les mecs, il y en a partout, hein, des zombies, hein. De tous les côtés, ça vient. Mec, il y en a blindé. Oh merde, désolé. Il y en a vraiment plein, les zombies, je les vois là. Je t'ai touché, non, Ludo? Je sais, ouais. Je sais pas si c'est moi ou le zombie, mais désolé si c'est moi. Je sais pas non plus. T'as besoin d'aide, dites-le moi, hein. Moi je tire, hein. Non, t'as vraiment. Je vois, j'ai tellement envie d'appuyer sur la souris là pour faire genre. Non, mais je dois rentrer pour mettre du bandage, moi, parce que. Ah, je vois ça, t'inquiète pas. Là, je vois vraiment super bien, hein. Genre. Là, si la qui accroupit devant la porte, là, il peut prendre très cher, là. Dans la maison ou hors de la maison? Hors de la maison. Attention, Fabien, il y a un zombie qui vient à droite. J'ai une grosse perte de sang en fait, je dois manger absolument. Vas-y, je viens vers vous là. C'est vraiment une découverte de ouf quoi. Ah, oui, bah, mais je peux pas voir. Vous étiez un peu trop à gauche de moi en fait, tout simplement. J'aurais 100 mètres à gauche, vous êtes sorti alors que j'étais juste dans la forêt à droite. T'es où Fab? Attends. T'es au puits là, ça? C'est toi ou pas, ouais. Fab? Ouais, c'est moi. J'avais la machette pas loin, mec. J'ai chargé. Oui, c'est moi! J'ai enlevé la sécurité de l'arme, quoi. T'es de quel côté? Tu nous vois? Tu me vois là? Là, je suis en train de courir vers vous, je suis pas loin là, genre à 200 mètres. Et oui, je te vois là-bas, regarde, je suis en face de toi. Et je sais quoi là, regarde avec ton viseur. Attends, t'es où déjà? Et là, attends. Et attention, j'ai clic gauche facile en ce moment, hein. Fais attention à toi. Hein. Attends, tiens, je me pardonne, regarde, je me pardonne. T'as vu? Tu vois? Est-ce que tu attends, vois? Je vais vous mettre une volée de AK-47, ça va me faire mal. Hein. J'ai tellement de tir dans l'arbre à côté de vous là. Oh putain. Il est où? Tu le vois ou pas? Bah je suis pas en face. Oh le con. Voilà, il fallait. C'est... Mec, maintenant il faut qu'on bouge vite. C'est le stress maintenant, arrêtez tout. Et le français il est dingue, on se barre mec. Faites attention là, c'est des malades. Bah ça, allez, ça là, va, vu là. Que ça, c'est de son côté que ça devrait arriver. Ah mais je suis déjà chez à vous part en fait. Pas s'il se ramène avec des zombies. Ah, les zombies ils gagnent même pas. Hein. Ouais, c'est parce que t'es dans un endroit où il n'y en avait pas. Mais je suis sûr, dans le village à côté, ça descend. Il y en a plein des zombies, il y en a encore là-bas. T'es là ou pas, mec? Ah, t'es là? Oui, je suis là. Bon. Ben, on va rentrer, on va réfléchir où est-ce qu'on va aller next ou quoi? Vas-y. Après, Novice au bord, ça a l'air pas mal. Il y a un commissariat et tout. C'est une bonne petite ville, ici. Hein. Il y a personne. Ouais, moi, j'ai vu personne. Ouais, on peut aller à Novice au bord. Après, moi, je veux vraiment aller au MBDMC. Au loot, vois, là me... Là où c'est marqué sur la carte. Ouais, vas-y, ça peut être pas mal, ça. Tu veux qu'on passe par Novice au bord ou tu veux qu'on évite ces villes-là? Moi, je serais chaud pour y aller. Hein. Bon, on irait, tu sais. On est armés, on est trois. Ah oui, voilà. Tu peux nous guider, comme ça on spawn pas. Ok. Et les gars, vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous balader avec les guns dans les mains? Parce que généralement, quand des gens nous voient avec des guns dans les mains, ils tirent direct. Hein. Moi, c'est pour ça que je garde ma lame. Ouais, mec, vu le kill feed en bas à gauche, faut faire attention. Je suis pas sûr que le chapeau rose, c'est sur la ouais, meilleure idée. Tu enlèves ça tout de suite, sinon tu l'enlèves. Hein. C'est le gars, Fedora, ça s'appelle en plus, quoi. C'est bon, on te suit. Hein. Ouais, c'est en face là, la ville. Vas-y, on fait à travers la forêt, je l'ai vu avant.
T'as pas faim, t'as pas soif, t'as rien? Non, tranquille, tranquille. Ah, mais en fait, toi, tu sprints tout le temps, c'est pour ça que t'étais si vite, en fait. Mais oui, bien sûr, mais mec, on perd tellement pas de bouffe et tout, et à boire, que laisse tomber, mec, tout en sprinté, hein. C'est deux fois plus rapidement là, hein. Putain, les open field comme ça, je déteste, quoi. Ouais, ouais. Oh, mon dieu. Après, vu que j'ai un snipe, juste avant d'aller dans la ville, on peut un peu regarder, tu sais. Ah, mais vaut mieux, ouais, qu'on passe un peu de temps de regarder avec la personne d'abord. Parce que c'est une ville un peu plus grande, hein, donc il faut quand même faire gaffe. Oui, oui, oui. Hein. On va dans la forêt là, c'est plus safe que la. L'autre côté de la colline en face là, et l'autre côté de la ville. Là, ah, on te suit, on te suit. On va vers Drug Dealer là maintenant. Ouais. Il y a une ferme là, on va peut-être la loot en passant. Ouais, on a trouvé des bons trucs dans les entrepôts qu'on a fait. Si c'est même pas looté, c'est fermé encore. Mec, t'as vu le nombre de morts qu'il y a ou quoi? Ou alors ils se battent dans l'arène, ou alors c'est le bordel. Hein. Je sais pas, hein. Franchement, ça fait un peu peur. Hein. Une veste militaire là, si vous voulez. Elle est stylée. Y'a une veste militaire? Ouais, ouais, genre camouflage français en plus, on dirait. Ouais, c'est vraiment camouflage français quoi. Regarde là. Tu la veux, Fab? Ouais. T'as quoi sur toi, toi? Bah, j'ai mon truc, mais comment. J'ai d'assaut, en haut là. Encore mieux. Mais prends-le, non? T'as pas besoin? Par dessus, moi j'en ai, c'est bon. Il y a une crosse d'M4 aussi tout au-dessus. Bon, ça n'a pas d'M4, donc c'est un peu cool. Mais j'ai un gilet balistique, je sais pas si c'est mieux ou moins bien que les gilets d'assaut. Ça a l'air quand même, hein. J'ai des étuis là pour mettre sur les gilets. Est-ce que quelqu'un porte-plaque vierge? T'en as pas un, toi? Porte-plaque vierge? Non, mais Mon gilet était dégommé, donc j'ai changé de gilet. Mec, faut jamais faire ça. Mais oui, il a failli se suicider, les gars, il est malade. Putain, t'es fou quoi. Dans ce jeu, tu te casses une jambe, mais direct. J'avoue. Ouais. Toi qui l'as rien fait là. Non, non, j'ai rien. Tu sais, quand tu te casses une jambe, t'es fini, hein, tu sais plus rien faire. Hein. On c'est vrai suit. Ouais, ouais, non, tu sais plus bouger. Il faut qu'on aille chercher des bouts de bois et tout le bazar. Ouais, ouais, quoi, c'est ça. Et là, moi, simplement, je te laisse crever, j'en ai rien à foutre. Non, non, on va te faire une attelle, c'est pas ça, mais bon. Et puis on te laisse là, quoi. Voilà. Bon, on te prend le stuff quand même avant, mais. Moi je dis, pour être sûr, on lui prend son matos qui peut être intéressant d'abord. Voilà. Tu vois. Parce qu'à mon avis, il va se faire bouffer par des loups, donc. Ou mourir de froid, ça dépend. Ouais, la ville est en face, il me semble. Ouais, c'est ça. Mec, je sais pas, mais tu fais des. Non, y'a pas de ville là, pourquoi y'a que des forêts là? Mec, je te suis, on te suit là, nous hein? Ouais, c'est bien ça, c'est impossible que ça soit pas là. Hein. Quand t'es venu de chez nous, t'as traversé cette grange là? Non, non, moi j'étais à la forêt en face là-bas, tout le long de la forêt en face. Ok. Bon bah, nous on te suit hein? Elle doit être à travers la forêt là, la ville. Hein. Obligatoirement, elle était obligatoirement là, c'est impossible de la louper. Hein. C'est marrant, Jacques, Papu pour avoir un nouveau téléphone. Oui. S20 Lite. 749. Karl me le fait à 500. Mais en fait, Serge, il travaille. Comment ça se fait qu'il travaille comme ça en éducateur le week-end? Il travaille dans un internat ou quoi? Il a 3 jours, même pas. Tu réalises comme ça? Ouais, c'est la vie de là-bas, non? Ouais, c'est bon, c'est ça. On va juste voir. Check un peu avec ton snipe d'abord. Ah ouais, j'aimerais bien. Je vais un peu rentrer à Red Forêt là. Et je vais aussi un peu regarder, mais. Bah, je vais en parler à Papy demain et on verra ce qu'il me dira. Peut-être moi ça va faire nuit en plus, ça pète les couilles ça. On va quand même attendre 2-3 minutes comme ouais, ça. Ouais, hein. Ouais, bien sûr, ouais, t'inquiète. Hein. Surtout, je garde le commissariat, tout ça là, c'est vraiment les endroits où les gens y vont le plus.
Et t'es sûr que c'est Novi Sobor? Moi ça me paraît un peu petit mais pour mec, Novi obligatoirement Sobor. Sur la carte, regarde la carte mec, c'est ça hein. Ah ouais, il y a des glisses. J'ai pas vu le panneau encore, mais ça doit être que ça, c'est impossible que ça soit autrement. Hein. Mais en fait, Novi Sobor c'est pas tellement gros, hein. C'est la même taille de ville qu'on a. Ah, mais après, tu sais, il y a Starry Sobor aussi pas loin, et c'est un peu la même ville, tu sais, donc. Ouais, mais Starry Sobor, ce qui me fait peur, c'est que c'est vachement proche de l'aéroport, quoi. Ouais, ça c'est clair. Hein. On peut y aller, de toute façon, il faut y aller à un moment ou à un autre, les gars. Hein, si on meurt, c'est comme ça, c'est le jeu. Ah oui, c'est le but, hein. De toute façon, on va crever un jour ou l'autre, hein, c'est sûr. Hein. Bon, de quoi, c'est notre question, mais. On va se faire buter, c'est sûr. Ouais, y'a rien qui bouge, hein. Bon, on y va? Ouais, vas-y, on y go. Fab, t'es où? Ah, ouais, ok. Oh, c'est pète couille la nuit, on va nous rien voir là. Ouais. C'est peut-être pas plus mal parce que regarde, on est en train de passer tout un truc où y a rien à découvrir, quoi. On est tout à découvert, quoi. Et pour la nuit, vous voulez faire quoi pour la nuit là? Genre continuer ou se poser un endroit? Oh, on peut continuer, mec. On va aller au truc militaire, on connaît plus ou moins la direction, on y va, quoi, tu vois. Ouais, mais de nuit, t'imagines, on sait jamais, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vu qu'il y en a un qui a une viseur thermique. On est baisé, hein. Bah, de toute façon, je dirais, même. Et en journée, celui qui a un viseur tout court. Ouais. C'est vrai. Dans les deux sens. Oh, c'est quoi? On est papa. Je suis pas chaud. L'avantage, c'est celui qui a pas de viseur nocturne la nuit, lui, il nous voit pas, tu vois. Ouais, mais bon. Hein. Ouais, c'est chaud. De toute façon, on aura même pas le temps de savoir si la visée nocturne ou pas. On sera déjà mort. Donc, Au pire, on envoie un message. Hein. On voit vraiment rien, quoi. Mec, de nuit c'est pas plus mal, mec. On va pouvoir traverser le hasard. On peut aller à Novi Sobor, là. Elle est plus grande, on peut peut-être trouver des trucs là-bas. Starry Sobor. Ouais, Starry Sobor. C'est vrai qu'on voit que dalle, hein. Ouais, mais genre, vraiment, regarde, les bâtiments c'est tout noir, quoi. Pour trouver la porte, c'est compliqué, quoi. Ouais, la porte est ouverte. Mais j'ai pas su. Je vais au truc de police, moi. Ouais, vas-y, je viens avec toi. Mais c'est peut-être mieux qu'on reste ensemble vu que c'est la nuit. Ouais, ouais, vas-y, on va pas se voir, vas-y, on reste tous ensemble. Ouais, c'est bon, Fabio aussi là. Il y a un zombie. Ouais, je crois que c'était un gars au début. Pas grave, il nous voit pas. Aïe. Mais ta gueule, toi. Il est où ce con? Oh, il a mis. Voilà. Oh putain, la pute. Ouais, je l'ai pris. Ah, bah oui, c'est pour moi. Bah oui, bah oui. Toujours. Oh mec, le truc qui m'a fait peur, y'en a un à l'intérieur. Putain, moi je vois rien du tout là, genre c'est noir quoi. Vous êtes où? Dans le... Putain mec, tu vois quelque chose dans le comico là? On voit rien mec. Rentre dedans, on ferme la porte. Mec, on voit rien, genre y'a vraiment, on voit rien mec, c'est noir mon écran. Mec, on est bloqué je crois. Franchement, on a vu la lumière non? Je sais pas. Oh putain, quand on venait griller, vas-y, venez dedans, on ferme les portes derrière nous, etc. Quoi, j'éteins? Oh, on va se faire. Ce n'est qu'il y a 1000 km, les gars, là. Mais non, on aurait fait attendre, en fait. Oui, il y a plein de fenêtres partout et tout. Oh non. On est grillé, hein. Mais gros, on va que. Vas-y, lui pas la lumière. J'aime bien avant, ouais, il fait noir, personne va nous voir, les mecs, on a les gyrophares allumés, mec, laisse tomber, quoi. Mais, ouais, on attend. Vas-y, on attend, bien sûr qu'on attend, t'es malade, t'en vois rien, mec. Vous êtes tous les gars dans le comico là, je vous vois même pas. Non, non, mais la lumière allume pas, mec. Attendez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ferme toutes les portes du truc et on se met dans le hall au milieu. Aucune lumière qui dépasse les murs alors, et les fenêtres et tout. Ça, on peut faire. Ouais, hein. Alors ça va changer quoi, mec? T'as envie de faire un truc qui sera allumé là, non? On se voit. Ils verront pas, non? J'ai pas spécialement envie de te voir, moi déjà. Non, franchement, y'a un mec qui nous rush la gueule dans le comico, on le voit même pas, quoi. Donc à partir de là. Ouais, mais c'est pour ça, rentre dans les pièces. Moi je suis dans une pièce, le premier je pas, y a une on arrête pièce, de marcher. Mec. Non mais. on se couche. Mec, on reste 20 minutes dans le noir, t'es malade toi. Un peu de lumière s'il vous plaît. Il y en a un seul. Vas-y, j'allume la lumière parce que là les gars, c'est pas possible, je vois rien. Mec. Non mais franchement, mec, on voit rien. J'ai cru qu'il bloque contre un mur là, qu'est-ce qui se passe quoi. Au moins, s'il y en a un que vous. Mais je sais pas ce que j'ai, je dois retourner pisser moi. Oui, problème urinaire quoi. 31 ans mec, je deviens vieux. C'est chaud déjà, hein. 70 ans, qu'est-ce qui va se passer quoi? Je vais vivre sur les toilettes.
Et j'allume, hein. Ah, ouais, j'ai pas de pile, putain, y'a pas de pile. Tant mieux. Ah, j'en ai... Non, j'en ai pas une. Merde. J'ai même pas ouais, de pile, quoi. J'ai mon coloc qui est, lui aussi devient vieux, je crois. Ah oh, putain, j'espère qu'elle va pas être trop longue la nuit, parce que c'est... Eh, des allumettes, ça éclaire un peu ou pas? Je sais pas, franchement. Ouais, je vais essayer, hein. Ouais, on peut rien faire avec, merde. On peut même pas les ouvrir, hein. Attends, parce que les pièces elles sont ouvertes, ce qui veut dire que quelqu'un nous verrait de l'extérieur. Ouais, mais c'est pour ça que je vais les fermer et après on met la lumière. Mais le problème, c'est que sans lumière, on peut pas le faire du coup. Attends, ça va, je vais faire n'importe où dans lequel je suis là. Putain, mais même la lampe de fusil a pas de pile dedans quoi. Voilà, j'ai fermé la lampe. J'ai fermé la pièce, si quelqu'un veut. Je peux prendre le pouce de quelqu'un, mais je sais pas qui c'est. C'est qui là. Franchement, c'est qui en face. Depuis moi, y'a un mec en face de moi, je sais pas qui c'est. Je peux prendre le pouls, gars. Ah, t'es là, merde. Depuis moi, on est collés. En fait, on est tous collés depuis moi. Je savais même pas que vous étiez là, les gars. Non, moi, je te dis. Vas-y, on laisse. Attends. Vas-y, regarde. Vas-y, on ferme tout là. Oh putain, alors. Dans une pièce, voilà, vas-y. Ferme la porte. Vas-y. Y'a pas de fenêtre, vas-y, encore. En haut aussi, vas-y, mais pas vers le haut. Attends. Va plus là dans l'escalier. Va plus dans l'escalier pour être sûr. Et tu vises en face de toi là. Non, l'inverse. Va dans l'escalier et tu vises comme ça, comme non, je suis là. Je regarde la porte d'entrée et je sors mon AK-47, je vous le dis. Voilà, bah c'est bon, là personne nous voit. Vous mettez pas en face de moi la porte d'entrée, je vous le dis. S'il y en a un seul qui ouvre ça, je le défonce. Et attendez, je crois que j'ai une lunette infrarouge, je crois. Attends, je vais tenter. Oh, je crois que c'est ça. Ouf. Attends, je vais la mettre sur mon arme. Putain, oh putain, j'ai une truc à vision nocturne. Quelqu'un une pile? Sérieux? Non. Quelqu'un une pile? Sérieux? Ouais, j'en ai une. Ouais. Ma mère, quelqu'un une pile? J'en ai qu'une. Je regarde. Ah, regarde si j'en ai pas une deuxième. Non, j'en ai qu'une. J'en avais une, mais je sais pas où je l'ai foutu, attends. Ah, non, sorry. Attends, j'en ai peut-être une là-dedans. Je l'ai utilisé pour quelque chose, je crois. Ah, j'en ai une dans mon viseur, attends. Je vais la mettre dans l'autre, du coup. Attends, j'espère que c'est bien ça, J'ai toujours mon SCAR, mais j'ai même pas de... Oh putain, c'est une vision nocturne, je vais aller sur toi. Oh ça les mecs, je vois tout, mais laisse tomber, y'a un mec qui a assez, mais il dégomme tous, quoi. Ah, comme il faisait jour, hein, genre vraiment, tout est vert, mais je vois parfaitement. Ah, je reste sur toi, alors, hein. Je vais utiliser ce temps-là pour voir ce qu'on va faire. Je pense pas qu'un novice au bord qui a tellement, tu sais, sincèrement. Je pense qu'on va pas rester très longtemps ici en fait. Il y a les bâtiments agricoles là, on pourra peut-être aller jeter un coup d'œil parce que si c'est s'il y a du loot comme l'autre là, on peut peut-être se gaver. T'as comment tu fais pour avoir autant de chat, Kevin? Putain. Ouais, j'avoue toujours. Hein. Tu l'as eu où? Bah au tout début, je crois, vraiment. Un des premiers loots que j'ai trouvé, je crois. Hein. Elle s'est rendue. Hein. Moi, je pense que la ville, on va pas rester des années parce qu'il y a pas grand-chose. Il y a un supermarché en face de pas loin de Comico, donc celui-là, on le fait. Puis après, sur la gauche, il y a un truc agricole. Il faut le faire aussi, parce que vu le loot qu'il y avait. Et après le truc agricole, il y a une sorte de prison, je crois. Dans la prochaine ville, Tarisobor, il y a une sorte de prison. Vas-y, moi, je suis chaud pour faire ça. Hein. Oh putain, ça tire. Sérieux? Ouais, de ouf, à la K. Dans loin, la ville, ou pas hein. Non. Assez près. Pas à 100 mètres, mais genre les 500 mètres, quoi. Attends, elle est où la porte d'entrée? Je te promets que s'il y en a un qui arrive à la porte d'entrée, je le défonce. Ok, moi je regarde au loin avec ma lunette. Et moi j'ai quoi? Ça tire de ouf. Ouais, on entend. Mec, qu'est-ce qu'on fait? On monte? Mais vas-y, on reste dedans, mec. Tu restes à l'entrée, moi je reste dessus et c'est bon, mec. On attend là. Même à l'entrée, c'est un mec qui ouvre, je vois rien, mec. Ouais, il va rentrer. Hein. Ouais, mais là, si tu tires pendant 20 secondes et c'est bon, quoi. Mais si je vois un gars, je fais quoi, les gars? Je tire pas, non? Mais d'accord. Ouais, non, tire. Si tu vois un gars qui a une arme dans les mains, tu tires. Tu le défonces. Mais si je le loupe, on est mort, les gars. Il va nous rechercher. Mec, c'était vraiment pas loin, quoi. C'est vraiment pas loin. Genre, je dirais 300 mètres maximum, quoi. Oh, vraiment putain, à côté, quoi. On est bloqué dans plein de nuit dans ce putain de truc. Et attends, je crois que ça a tiré de l'autre côté maintenant. Hein. C'était pas la même arme, il me semble. Hein. Oh là là. On a baisé. Bon, bah, je pense qu'on va passer la nuit là. Ouais, on va rester là, effectivement. Quoi, on va quitter, on revient dans 5 minutes. Non, mais les gars, par contre, il va falloir essayer de faire le moins de bruit possible pour qu'on puisse écouter s'il y a des portes qui s'ouvrent, c'est ça le truc. Parce qu'il y a deux portes au commissariat. Il y a une arrière et une avant. Moi, j'ai que celle d'avant dans la ligne de mire.
Mais au pire, mec, va dans l'escalier du haut là et tu vises l'escalier du bas. C'est plus simple, je pense. On t'entend tout d'en haut et tout. C'est plus safe, quoi. T'as comme oh, ça. Putain, il est vraiment pas ouais, loin, ouais. Mec. Mais je vois rien là, hein. Je vise vers là-bas, mais je vois rien. C'est qui a ouvert une porte? Pas moi. C'est moi. Non. C'est toi? Ouais, non, non, c'est moi. Ouais, c'est moi. C'est toi ou pas? Ouais. Le mec, il fait ouais, des... ouais. Non, je me couche, moi. J'ai fermé la porte, je me suis rentré dans une pièce et je me couche. Il utilise plus la lumière, alors. Ah non, je sais. On a vraiment pas envie qu'il sache qu'on est ici, quoi. Ouais, ouais. Qui c'est a sauté, là sauté. Non, non. Mec, il est pas loin. Il y a un mec. No fake? Non, c'est sérieux, c'est pas moi qui ai sauté. Eh, y a pas une échelle sur le toit, par hasard? Si, si, il y a une échelle. Je crois vas-y, arrête, j'ai peur, mais non. Toi, t'as une mais non, gros, que tu veux que tu saches que toi. Ce mec, mon viseur, il zoome genre x20. Hein, genre, il y a un mec à 1 mètre de moi, je peux pas tirer dessus. Hein. Attends. Ah, c'est clair en x20. Il faut faire moins de bruit là maintenant parce qu'on va pas entendre si le mec arrive ou pas. Comme ça, la galère. Y a un mec qui marche C'est peut-être moins en tournant avec le viseur, hein, c'est possible. Avec un peu de chance, ils sont tués. Mais plus personne ne bouge. Putain, je vais faire pipi en plus. Tu pètes dans ta bouteille et tu la fermes. Comme en vrai, quoi. Là, moi, j'ai mon viseur sur l'escalier, là. Premier qui passe, je le défonce. Si je vois un changement de lumière, il est mort pour le mec. Et ça tire plus, ça veut dire que le mec, il est peut-être en train de venir ici. En plus, on est dans le Comico, donc le pire endroit, c'est le mec qui vient, c'est ici, quoi. C'est ça. Ouais. Alors qu'il y a rien, en plus. Maintenant, les zombies en bas, je les entends. Mais c'est bien, ah ouais. Parce que si jamais ouais, il approche, peut-être que les zombies vont me chasser. Tu tires, tu ramènes tous les zombies, c'est basta. Ce sera pas rentré. La porte elle est fermée, mec, donc. Oh putain, c'est stressant ce jeu. Et d'un coup, dans le noir, je vais voir le bouton prendre le pouls, tu sais, ça va être un mec encore. Mec, je dois pisser, c'est horrible. Ah, c'est pas le moment, là. Et c'est le stress, là. Ça tire de partout, là. Dans le Comico, là, le pire endroit possible, c'est le mec vient, quoi. Quoique, il n'y a pas tellement de points d'entrée, hein. Donc on est trois, on devrait ouais, mais si le mec vient loot, il va looter ici, quoi, c'est sûr. Ouais, mais bon, il en tue un, ok, l'autre, les autres prennent son staff, et puis on respawn. Mais mec, ça marche pas comme ça, il y a trois noobs, mec, t'as déjà tiré sur quelqu'un, toi? J'ai tué un mec, mais il a pas vu, je l'ai tué de dos. Voilà, mec, c'est pas pareil. Le mec, il l'a tué de dos. Là, ça va être autrement, le gars, il va venir avec sa M4, là, on va pas rigoler. Les gars, il faut essayer de plus tourner sur vos mains parce qu'on entend, hein, je vous le dis. Ouais mais mec, moi je regarde au cas où, mais si il y a un mec qui nous rush, là je peux lui tirer dessus. Ouais, et mais... Toi, hein. Ouais mais au moins on va l'entendre le mec arriver, parce que si on fait vraiment pas de bruit, on entendra le mec arriver. Et au moins on le sait quoi, tu vois. Ouais. Bon je vais essayer de viser juste un côté alors, hein. Vers là où j'ai entendu les tirs, comme ça, y a pas trop de... Putain j'en peux plus, je dois pisser. T'as pas une bouteille près de toi? Mais non, c'est ça que je regardais, mais non. il a quand même regardé quoi. Qui a pissé dans son mug là, laisse tomber quoi. Oh, putain. Fab, tu peux t'occuper de l'escalier ou pas? Quoi? Tu peux t'occuper de l'escalier ou pas? Ouais, mais ouais, ouais. Non, mais t'allumes pas la lumière. Ouais, ouais, je sais. C'est toi c'est qui? C'est moi. T'es sûr, c'est toi? Bah oui. Bah oui, tu m'as demandé. Tu t'étais enfermé dans une pièce en fait, espèce de bâtard. descends pas l'escalier, mais reste en haut. Comme ça, tu mais je sais même pas où je suis. J'arrive. Allume pas la lumière, pas qu'on l'allume vraiment pas. Putain, rien qui bouge dehors là. Et je flippe vraiment là, j'ai pas même prendre une tête. Hein. Oula, attention, j'ai vu une tête à une fenêtre là. No fake, hein. Je sais pas si c'est un zombie ou un mec. Les zombies ils se baladent pas à l'intérieur normalement, non? Non? Non, oh, si, c'est possible. J'ai vu à une fenêtre une tête, hein. Allez, surveiller la baraque là. Oh putain, c'est un zombie, j'ai eu peur, je faisais un gars. Ah ouais, c'est possible, il y a des zombies, des fois qu'ils ont les... Oh putain, mon cœur, il arrêtait de battre, quoi.
Y avait un mec? Y avait un mec? Non, non, c'est bon, j'ai cru, mais c'était un zombie à une fenêtre en fait, à l'intérieur d'une baraque, quoi, j'ai eu peur. Il est juste passé vite fait en fait. Kev, t'es toujours en bas, toi? C'est pas Mec, t'es vraiment? trop bas déjà. Remonte, remonte, Voilà. remonte. Ah non, papa qui est vide, pardon, Fabien. Fabien. Oui. Ouais, quoi? T'es trop bas en fait, tu dois remonter. Là, t'as deux points d'entrée. Si le mec il arrive d'un des deux côtés, il te défonce. Viens, viens, viens. Si tu te mets ici, là, là où je suis, tu vois ou pas? Ça Non. commence à pas s'éclairer. Ça commence à pas s'éclairer, je trouve. Derrière Ah mais toi. je suis en bas! Oh Ouais, putain! t'es en bas, mec. Tu te mets ici. Ah Bah, non. je me mets là, c'est bon, c'est bon. Je me mets là, je me mets là. Putain, la feuille de l'arbre qui m'a complètement trollé, quoi. Je crois que c'est un mec qui courait. Il commence à faire plus clair, non? Ouais, attends, j'allume vite la lumière. Non, Voilà. non, non, pourquoi faire? Non, Ouais. j'éteins, Là, on j'ai voit fermé mieux. la porte, j'ai fermé Là, la on voit porte. mieux, ouais, on voit mieux là. En fait, tu te mets dans une pièce, tu fermes la porte, comme ça, si on claque, toi, tu sais, toi. Ouais, j'arrête de viser, hein. Si là, je pense qu'il fait assez jour pour qu'un mec puisse me mettre une tête, hein. Je pense qu'il me voit, hein. Ouais, non, non, arrête, arrête, arrête. Flanque-toi. Je suis accroupi là. Peut-être que c'est un mec qui butait les zombies, en fait, hein. Non? T'as entendu deux différents types de guns ou pas? Ouais, mais genre à deux positions différentes. C'est peut-être plusieurs aussi, hein. C'est possible, hein. Je pense plutôt ça, hein. Il fait jour là, il fait jour, ça revient. Légèrement, hein. C'est même pas. Là, il est 6h30 du mat, quoi. Non, mais c'est bon, c'est reparti. Par contre, moi je dis, on reste genre 2 minutes encore dedans là et on regarde un peu aux alentours parce que le mec était toujours là. Hein. Croyais, ouais. Parce qu'il Pas est de peut-être la problème. même idée que nous, hein, genre dressé dans un bâtiment et tout là. Hein. C'est possible. Hein. Bon, attends, je vais enlever ma pile du viseur et tout. Bon. J'arrive, les gars. Ouais, Ok. ça va. Pas de problème. Ah ça, c'est le stress quand même là. Ouais, commence à faire bien jour là. Mais j'adorerais utiliser mon scar, moi, mec. Mais j'ai pas de magazine pour, quoi. Ouais, pète les couilles ça. Et alors j'ai le sniper là. J'ai une lunette, mais ça marche pas dessus. Ah. Quoi comme sniper que t'as? Le Mosin. Ah, le Mosin, ouais. Ouais, ça c'est vraiment des Et lunettes spéciales, hein. Fab, il a aussi un Mosin, on a trouvé un de bonne Ah, qualité aussi. c'est cool. Ça one Et il shot l'a chargé ça. aussi, je lui ai filé des balles, il a chargé. Nickel ça. Moi, je vois pas de mouvement dans la ville encore. Hein. Très bonne nouvelle. Mais ça vient peut-être de l'aéroport, non? Tu penses pas? Non, non, mec, c'était vraiment proche. Hein, genre dans la ville là. Hein. Franchement, 200 mètres, ça doit être. Hein, les 200 mètres, c'est vraiment aux alentours là. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. Ah, heureusement qu'on a de la bouffe et de l'eau, hein. Ouais. J'ai trop peur, tu vois, parce que j'ai mon doigt sur la gâchette. Fais pas un faux mouvement et tu tires et genre après il va venir le gars et tout. J'ai mes voisins qui sont venus parce qu'en fait je parlais fort avec le casque et ça fait genre 2 mois les mecs font ouais près de la maison c'est tout le Galère. temps maintenant et tout tu vois Oui, et puis hier on est resté super tard oui. et il me faut ouais à 2 heures du matin hier on est venu toquer y a personne qui a répondu j'ai pas mangé à mon La casque et tout galère. et ils sont sympas et tout j'aurais dû reculer je suis vraiment désolé je vous file mon numéro de téléphone si encore un problème vous m'appelez ou vous m'envoyez un message c'est bon. Ouais, ça va, c'est correct. Bon, il y a aussi l'option, on abandonne Fabien et on se casse. Ah, t'imagines? Le J'en ai déjà l'air fine et tout. Ouais. mec qui revient, il n'y a plus personne. On le prank. Attends, je vais mettre debout dans les escaliers comme ça, je peux me voir plus en périphérique, voilà, et on me voit pas. Il n'y a aucun Je pense mouvement, pas, mais je pense par que ça. contre, ça fait quand même flipper, quoi. Je pense que ça. Je pense qu'ils sont partis, tu sais. Je sais pas, mec, hein, ils faisaient des nuits, hein, ils sont peut-être dans une baraque, là, ils font la même chose que nous, là, ils attendent. Hein. Ouais, mais là il fait jour, ils auraient bougé, non? Mais est-ce qu'on bouge, nous? Bah non, mec, Ou je alors, pense, franchement. à moins qu'il y avait deux groupes, tu vois, et qu'ils sont tous les deux dans les baraques, ils attendent, quoi, ça c'est possible aussi. Il est au milieu comme des cons, quoi. On aurait déjà entendu des coups de feu, je pense, en plus. Ouais, chance. Il y a J'hésite à rien. regarder dans les pièces, maintenant.
Je vais aller voir dans les pièces. Vas-y. S'il y a rien quand même. Il y a pas de zombies de qui bougent dans la ville et tout bizarrement. Hein, donc c'est que personne qui aggro les zombies. Mais je te dis peut-être que c'est un mec qui a tué des zombies en fait, non? Non, il a trop tiré, le gars, il a dû rafaler sa mère. C'était peut-être deux. Oui, bah oui, je t'ai dit, j'aurais dû genre une Kalash, une M4 et un petit flingue, quoi. Un peu moins fort, quoi. Un petit fusil. Après, c'est peut-être les mecs qui se tiraient dessus aussi, tu vois. Ça, c'est possible, hein. C'était 1v1 et il a niqué l'autre, et voilà, quoi. On a failli se barrer sans toi. Hein? On a failli se barrer sans toi. Non, on aurait dû lui lâcher, il y a des mecs qui sont venus là, on s'est barré, un truc comme ça. C'est marrant. Nico, plus de bruit alors. Non, y'a rien, rien qui bouge. Je regarde en haut là. Ça a l'air safe, mais bon. Là, je fais le tour des pièces si je vois quelque chose. Mais... Quoi? La pile, c'est mieux de la retirer, non? Ou ça. Non, c'est pas grave. Si tu l'utilises pas, y'a pas de problème. Et j'ai un truc, j'ai un silencieux ici. Pour quelle arme? Je sais pas, attends, je regarde. C'est un suppresseur pour shotgun, mass only work. LOL, un shotgun avec un silencieux. Oui, j'avoue, ça sert à quoi? Tu veux essayer de le mettre, tu veux essayer de le mettre sur le tien ou pas? Vas-y, on peut essayer, ça peut être marrant. Mais je pense pas que ça marchera. Hein. Il est ici, attends. Bah, c'est bien pour les zombies, quoi. Mais... Ici. Ouais, bon, après. L'autre côté, là-bas. Là où il est. Là, au sol, devant la porte. Putain, ah, t'as vu shotgun ou quoi? Non, putain! Ça marche pas. Non. Il y a plus. Bon bah on y va les gars ou quoi? Vas-y, moi je suis chaud, mais bon faut faire gaffe de ouf. Là il faut rester ensemble, je pense. Hein. Mais pas collé quoi, genre un peu dans les mêmes zones quoi. Mais putain, arrête ça! Wow! Après, il faut se reconnaître, hein. Il faut regarder ce qu'on a sur nous, hein, genre si on n'hésite pas si un mec en fait. Le moment, si on trouve des brassards, on ouais, les remet. T'as un pantalon de la police ici, c'est vert et blanc, c'est un truc camouflage. Oh nickel, merci. Ah, je le sens pas bien, les gars, là. Hein. Ouais, mais bon, on va devoir bouger, on peut pas rester ici. Bien sûr, mais. Qui veut sortir en premier? On fait la technique du lapin. Pourquoi il est en caleçon l'autre là? Il est malade! Il voit pas quoi! Pourquoi t'as pas mis le froc? Bah si, comme ça on reconnaît que c'est moi! Les mecs ils vont venir trois, ils vont voir trois gars en slip là, c'est bon quoi! Ah putain, ça va vraiment bien ensemble là! Ouais, ça va bien ensemble en plus, ouais! Ouais, ça commence, ah ouais, ça devient. De ouf! Bon, il y en a un qui sort, je sors ou quoi? Et je cours à la prochaine maison et on regarde? Ouais, vas-y, on fait ça. On te regarde. Je vais à la maison en face là. Vas-y. Elle est un peu loin. Mais... Et les mecs là, tu tombes d'une balle, mec, ça serait énorme. Attends, nous on va fermer juste la porte dans le doute. Mais bâtard, pourquoi tu fermes la porte? Il faut me couvrir. Ouais, ça a l'air sérieux, ça va. Allez. On reste pas collé, hein. Je reste à 3-4 mètres de chacun au cas où, sur ces rafales. Mais t'es parti où? Dans la maison. Ok. En face? Ouais. Moi je suis à la maison à la droite. Ok. Et j'ai moi, vu. Vous voulez pas qu'on aille plus ou moins à la zone agricole directement et ouais, que, vas-y, viens, on se barre d'ici, moi je vais essayer de nous barrer. Attends, parce que la zone agricole elle est où alors par rapport à la police? Il faut qu'on aille vers l'église, elle est derrière l'église. Vous voyez l'église ou pas? Oui, avant, je l'avais vu avant. Et là, il y a un mec. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est moi. Non, derrière. Non, c'est bon. C'est sûrement moi. Il s'est attaqué par un zombie. Il y a un zombie qui court là. C'est toi ça? Oh putain! C'est pourquoi qui ça? Pourquoi j'arrive pas? C'est moi? Putain, c'est tellement le. Deux doigts tirés à chaque fois quoi. Faut trouver des brassards, hein, ça serait pas mal, effectivement. Mais normalement, il est peut-être au magasin, peut-être. Ah, vas-y, on va essayer, allez. De toute façon, si les mecs seraient encore là, on serait déjà fait tirer dessus parce qu'on est au milieu comme des merdes, quoi. C'est vraiment des viseurs sans pattes, quoi. Ah, des petits lapins. Ah, j'ai trouvé une grenade. J'ai deux grenades fumigènes déjà. Ah, ça c'est cool, ça peut servir. Ok,
Ok. On va à l'église là, c'est derrière l'église, il y a la zone agricole. Vas-y, on fait ça. Je rentre dans l'église pour voir, on a jamais vérifié s'il y avait des loots dans l'église. Ça tirait du coup vers l'église, vers la gauche là, en face de nous ça tirait vers là-bas avant. Et il me dit ça après que je suis devant l'église. C'est ça, hein. En vrai, c'est ça. Et franchement, je suis quasiment sûr on peut trouver un corps quelque part, je pense. Ils sont tirés dessus les gars là. Parfois, ouais, si les mecs ils sont super bien lootés, alors ils prennent rien, tu vois, parce qu'il y a rien à prendre. Ouais, bah oui. Oh, y a un double shotgun, stylé ça. Ouais, ça c'est pas mal ça. Bon, un coup, j'ai soif. Je le prends parce que c'est toujours utile d'avoir une arme. Ouais, vas-y, c'est bien. Courte distance. Mais j'ai pas de balles qui m'ont embêté. Je peux t'enfiler quelques-unes si tu veux. Hein. Oh yes, t'as blindé de balles, non? Ouais, vas-y, je t'en donne, viens. Ouais, le problème c'est que c'est des slugs, donc il faut que tu tires précisément, tu vois. C'est pas en mode balistique. De toute façon, c'est un truc. Ouais, mais ça, c'est un truc genre pour close counter, quoi, tu vois. Ouais, je vois. T'en veux combien? Ouais, bête. Je sais pas beaucoup, juste la question d'avoir quelques-unes, quoi. 4, 6, c'est bon, t'en as un 6? T'en as assez ou pas? Ouais, bien sûr, t'inquiète, attends. Je t'en donne 10, allez, hop, tiens. Bon, on va au truc agricole, c'est en face. Ouais, qui sort en premier? Et les mecs, ça peut pas être à chaque fois moi. Hein. Moi, j'ose pas trop. Moi, j'y c'est le plus looté qui sort. Ouais, on s'appellera après. Bah, c'est pas moi, c'est non toi. C'est Kevin. C'est un peu, non, il a une AK avec 30 balles cartouches, il a une AK, il est malade lui. Oh, y'a plein de zombies là-bas. Hein. Et y'a plein de trucs ici. Hein. Vas-y. Y'a plein d'armes, mec. Oh, Mac 10. Oh putain, regarde ça, la PKM. Et j'ai un chargeur de Mac 10. Hein. Oh, et y'a pas Mac 10. Ah non, c'était un chargeur, effectivement. Et y'a un PKM, y'a personne qui veut le PKM. Moi non, laisse tomber, c'est... Ah, chargeur d'AK-74, oh, oh. Oh, un VSK 94. Ouais, ça peut toujours être bon. C'est un... Il est où le chargeur de AK, tu disais? Ouais, mais c'est du 5.45, mec, t'as du 7.62, toi. Ça ira pas. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est quoi ça? Pourquoi y'a un PP2000 là? Pistolet mitrailleur. Y'a un zombie. Oh le bâtard! Merde! Non, je sais pas. Non! Mais tu arrêtes avec ton arme, tu fais peur! Allez, crève salope là! Attention les gars, attention! Je saigne de nouveau, bordel! Voilà, il a pris cher, je l'ai vu. Ouais, je saigne en plus, si j'ai plus de bordel. Moi aussi, je saigne. Attends, ça va, je vais me faire moi et puis je te le donne. Zombies, hein. Ça loot tellement bien les trucs comme ça, c'est abusé hein. Il faut qu'on déchire du... Faut qu'on déchire des vêtements en fait. Tiens ici, Cholfield, il est ici au sol. Merci. Et j'ai trouvé des morceaux d'AK là, peut-être que je peux le mettre sur mon AK, je sais pas. Possiblement ouais. Ah, j'ai pas de 5.56 là. Bon, ça c'est pour mon arme à moi. Il faudra tuer des zombies, là, il y en a plein. Hein. Y'a rien là. Qui va dessus en fait. Et je vais dégager les morceaux d'AK là, rien qui va dessus. Vas-y. Ah putain, zombie nous a aggro là. Attention, il va venir. Il fait tout le tour ce connard quoi. Regarde, voilà, il est là-bas. Attendez, il est en train de venir là. Qui le prend là? Parce qu'on peut le faire 36. Hein. Vas-y, je le fais. Ouf, attention, je le prends. Y'a rien. Là, un couteau juste. Moi ouais, dans le prochain mode. Putain, y'a plein de zombies ici. Par exemple, il les tue, hein. Personne ne veut le VSK 94. C'est quoi ça? Tu l'as mis que j'ai là. Attends, je vais le mettre là. C'est un mode. Bon, les modes, les gars, de la merde. Vous savez que je suis dehors. Attends, mais y'a une arme. Ah putain, j'ai pas les bons chargeurs. Oh putain, y'a une lunette pour le. Pour le Mosin. Je la prends. Je prends. Ouais, vas-y. Tu me prends là, les deux. Nickel ça. Dégage, connard de zombie, ouais. C'est toi là? Ah ouais, c'est moi. Ah ouais, c'est.
Regarde, tiens, par terre la lunette, normalement c'est la bonne. Il y a un magazine, c'est quoi ça? M60. Regarde. Elle est où la lunette? Ah bah tiens. Oh par contre mec, t'as un RPK, un magazine de 40 balles de AK là, tu peux le prendre, c'est ton calibre en plus. Ouais mais il a aussi les mêmes magazines donc tu peux lui donner. Tambour 20 cartouches, Vega. Ouais, Vega c'est un fusil à pompe automatique. Magazine, c'est-à-dire quoi magazine? Un chargeur. Magazine c'est des chargeurs. Ah ok. Et c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas une bonne lunette. Non. C'est une lunette de type... Non, c'est une lunette VSS compatible avec les fusils de type KA. Ah, merde, fais chier. Je la laisse, moi j'en ai pas besoin. Ouais, vas-y, vas-y. Y'a quand même beaucoup de loot dans les trucs comme ça, hein. Faut tout le temps les faire, ceux-là. Eh, par ça, moi, je te dis, hein, moi je joue qu'à ce serveur-là. Ah, franchement, il est vraiment cool, hein, le serveur. Attends, fais gaffe, y'a deux zombies là. Vas-y, je prends l'autre. Merci. Ouais, y'a une boîte de thon en plus, c'est bon ça. C'est qui a parlé? Y'a un mec qui a parlé, c'est qui a parlé? C'est pas moi. Ah, oh, j'ai une hache, c'est bien ça parce que la mienne elle est morte. Y'a un mec qui a parlé, hein. T'es sûr? Je sais pas, j'ai entendu quelque chose. T'es dans le micro, genre du Discord, non? Derrière toi, fais attention. T'as une RPK là. Bah, le mec, il y a une RPK qui en charge juste à côté là. Ah non, c'est une RPK, c'est rien à voir, ok. C'est pas la bonne. Oh, une M16, les gars là. Quelqu'un un chargeur? Il est où? T'es où? Mais c'est une M16, genre du Vietnam ou quoi. Attends, j'ai regardé. Deuxième truc. Si t'as un chargeur, prends-la. Ah ouais, c'est vraiment une M16, hein. Ouais. Mais je vais regarder parce que j'ai pas mal de chargeurs, mais. C'est le de guerre d'Irak à peu près dans ce genre là. Je vais dégager des trucs, j'en ai beaucoup trop. Chargeur d'M417, mais c'est pas les bonnes pour toi. Hein. Toi, t'as un SCAR, vraiment un SCAR. Quoi. Non. Ouais, une Galil là, j'ai vu un chargeur de Galil avant. Un filet d'assaut là. J'ai vu un chargeur avant. Un Galil. Attends, putain, j'ai pas de place pour foutre. Y'a un M417 aussi là, c'est genre un DMR. Oh, c'est tout. Non, juste à côté, bâtiments. Dans le truc d'à côté. T'as plein de chargeurs par contre, là, mais pas les bons. Malheureusement. Mais je saigne de nouveau, mec. Oh, mec, je saigne et j'ai plus. Et je vais claquer, j'ai plus le sang. Quelqu'un, vite, c'est gris, il me faut absolument du tissu. T'es où, t'es où? J'ai un bandage, viens, là, vite. T'es où? Je suis dans le bâtiment. Là, là, c'est toi, là. Vas-y, vas-y. Par ouais. Terre, par terre, par terre. Eh putain, merde. Je dois rien. Vas-y, par terre. Là, là. C'est des bons bandages en plus. Allez, ça rigole plus maintenant. Je crois que je vais mourir. Non, mec, là t'es bandé, mec, là bouffe, maintenant bouffe ta mère.